Très enthousiaste, il faut le dire, bon, parce que c'est pas mon livre. Si c'était mon livre, ça serait un petit peu gênant, mais en fait, c'est le livre de Jeanne, quoi. Et quand j'avais terminé la rédaction de mon manuscrit et que je suis allé voir mon éditrice, Caroline Noirot, elle m'a dit, je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Est-ce qu'elle m'a dit, non, il n'y a rien à changer, non, ça va, je prends tout. Simplement, je vous demande de le relire en vous demandant si vous n'êtes pas un petit peu amoureux de votre héroïne. Je dis, écoutez, pas un petit peu, beaucoup. Je dois dire que j'ai découvert Jeanne au travers de ce travail que j'ai fait. Et pour remonter assez loin dans le temps, Jeanne était un personnage, Jeanne d'Arc, un personnage que je connaissais bien, que j'avais étudié, sur lequel j'avais fait un certain nombre de conférences. Et j'avais à portée de la main, régulièrement sur ma table, les minutes de son procès dans l'édition du Père Doncoeur, dans l'édition de Robert Brasillac, dans l'édition du Père Riquet, donc il y en avait plusieurs, bon, et donc qui me permettaient de consulter, de comparer, et je m'en servais lorsque je faisais des exposés ou des conférences sur Jeanne d'Arc. Mais je ne l'avais jamais abordé en avocat. Et un jour, allez savoir pourquoi, je ne sais pas, j'ai pris ce texte et je me suis dit, et si je le regardais comme un dossier d'assises, un dossier criminel, et si je le regardais en avocat, ce qui est tout à fait différent de la lecture d'un historien ou d'un conférencier, ou d'un simple lecteur. Donc, parce que quand nous étudions un dossier et qu'on veut l'étudier à fond, on prend procès-verbal par procès-verbal d'audience, on étudie, on prend les notes d'audience, on dit mais pourquoi le président a-t-il posé cette question, pourquoi l'accusé répond-il comme ça, que cherche le ministère public, que cherche le président, est-ce que l'accusé a un système de défense, est-ce qu'il n'en a pas, etc. Et donc tout prend un relief évidemment tout à fait différent, parce qu'on ne lit pas pour le plaisir, on ne lit même pas pour s'instruire, on lit pour comprendre et normalement pour défendre. Donc, pour essayer de voir ce qui se tient, ce qui ne se tient pas. Et à ce moment-là, j'ai découvert, premièrement, que Jeanne avait un système de défense, effectivement, que les juges avaient bien entendu un système d'attaque, mais qu'il y avait, comme l'a dit un journaliste qui a fait une chronique sur mon bouquin, il l'a dit de façon très, 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 très juste, qu'il y avait trois procès dans le procès. C'est-à-dire que le procès avait dévié au fil du temps et que ce qu'il cherchait au début, c'est-à-dire le secret entre Jeanne et le roi, il s'est aperçu qu'il ne le connaîtrait pas, qu'il ne l'aurait pas, surtout quand elle a finalement échappé à la torture. Et quand ils ont voulu la torturer, elle a dit « mais vous pouvez m'écarteler à quatre chevaux, je ne vous le dirai pas ». Et puis, même si je vous le disais, aussitôt après, je dirais que je leur ai dit que ce que j'ai dit, je l'ai dit par force et que ça n'a aucune valeur. Ce qui est le meilleur argument qu'on ait jamais pu trouver contre la torture. Et donc ils ont plié. Et donc, à ce moment-là, ils se sont écartés et ils ont cherché autre chose. Donc, j'ai vu un vrai combat. Et dans ce combat, j'ai vu apparaître une jeune fille étonnante, d'intelligence, de vivacité, et surtout de ce que pourrait appeler le coup d'œil, le génie de l'audience et le génie du combat judiciaire. Or, c'est très très rare, parce que quand vous regardez dans l'histoire, les grands hommes d'État, même les grands chefs de guerre qui sont passés devant les juridictions, étaient complètement perdus.
complètement. Le maréchal Ney, dont il paraît qu'on entendait la voix au milieu de la mitraille sur la plaine d'Iéna pendant la bataille, donc il avait une voix extraordinaire et une stature prodigieuse, il tremblait devant ses juges et il demandait à son avocat, Berryer, qui avait 20 ans, « Maître, dites-moi ce que je dois répondre, dites-moi, faites-moi un petit texte. » Il ne savait pas, donc il s'est contenté d'une déclaration et puis il s'est tué. De même que Louis-Napoléon Bonaparte, de même que le général Hamel Pétain, de même que Saland, de même que tous ces grands chefs, ils ont fait une déclaration et puis ils se sont tués. Parce que c'est pas leur terrain. C'est pas leur terrain et s'ils savaient commander à la guerre et commander, là ils savent pas. Et donc cette jeune fille qui a été un chef de guerre, qui a été un chef politique, la voilà maintenant dans l'arène judiciaire. Et dans l'arène judiciaire, immédiatement, et ça se voit dès la première audience, alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans le livre, sinon ça vous ne l'achèterez plus, et puis on y serait à 3 heures du matin. Mais dès la première audience, c'est ça qui m'a frappé, et que je n'avais jamais vu auparavant. J'étais passé comme ça, en disant à la première audience publique, le cochon l'invite la faire entrer. Alors, il faut voir, hein, il y a 40, nous sommes dans la chapelle royale du château de Rouen, il y a l'évêque Cochon, et autour, il y a 46 assesseurs. Tous insignes docteurs en sacrée théologie, le gratin du temps. Hein. Puisque c'est en fait l'Université de Paris qui a voulu ce procès. L'Université de Paris, elle s'appelle elle-même le soleil radieux de la chrétienté, en toute humilité. Donc elle est la puissance intellectuelle, la puissance religieuse, la puissance cléricale, la puissance politique, puisqu'elle est le conseiller du roi de France et d'Angleterre. Et c'est elle qui a pratiquement rédigé le traité de Troyes par lequel le roi Charles VI, qui était fou, au sens médical du terme, parce qu'il est dément, et sa femme Isabeau vendent le royaume au roi de France et d'Angleterre en déshéritant le fils de Charles VI, Charles VII. Et donc, au prétexte qu'il aurait été parricide, ce qui est ahurissant. Mais l'Université de Paris a couvert tout ça, au nom de la paix, de la tranquillité, etc. Donc, elle a organisé le nouvel ordre. À l'époque, c'est le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, ce serait le nouvel ordre européen, mais à l'époque, c'est quasiment le nouvel ordre mondial. Elle a organisé le nouvel ordre mondial qui est, il y a un royaume de France et d'Angleterre qui va faire la paix, qui va s'entendre avec les principautés allemandes et les puissances espagnoles, et au loin avec la Turquie et les puissances ottomanes, etc. Et donc, voilà l'ordre. Et il y a un résidu de Royaume de France autour de Charles VII qui n'a qu'à disparaître. Bon. Et là-dessus, et donc une fois qu'Orléans sera pris, comme disait un chroniqueur vénitien du temps, le roi Charles n'aura allé qu'à quérir son pain à l'hôpital. Bon, il n'aura plus qu'à aller quérir son pain à l'hôpital, il n'y a plus rien. Et là-dessus, tout est bien organisé. Et là-dessus arrive une jeune fille de 17 ans et qui, en 18 mois, flambe tout par terre. Absolument tout. Elle libère Orléans, elle fait sacrer le roi à Reims, elle chasse tous les Anglais de la Loire, elle a une série de victoires absolument stupéfiantes, Mingues, Jargeau, Beaugency, Pathé, bon. Et puis, malheureusement, enfin, heureusement pour eux, elle est prisonnière à Compiègne. Et là, l'Université de Paris, immédiatement, dit « il faut la juger », ce qui ne s'était jamais fait. Charles d'Orléans avait été vaincu à Azincourt, il est prisonnier en Angleterre, on ne le juge pas. Du Guesclin avait été prisonnier, puis il avait racheté son truc. Enfin, d'ailleurs, les prisonniers chics, comme Jeanne, enfin les grands, quoi, étaient en général gardés précieusement et vendus contre rançon, comme la rançon payait l'effort de guerre. Donc, et là, c'est tout à fait différent. Elle est vendue. Les Bourguignons qui l'ont prise à Compiègne la vendent aux Anglais, qui le réclament, mais ils la vendent contraint. Et même, ils n'arrivent pas à discuter complètement le prix. Ils la vendent 10 000 écus. Bon, ils auraient voulu plus, mais enfin, bon, ils sont pressés. Et l'Université de Paris presse le roi de France, qu'on appelle le roi de France d'Angleterre, de faire immédiatement le procès de cette fille qui, disent-ils, a infesté toute la chrétienté. Et c'est vrai qu'elle est devenue une vedette mondiale, on ne parle que d'elle. Les chroniques, tout ce qu'on trouve autour dans le temps, tous les ambassadeurs, les marchands, puisqu'il y a tous les marchands qui descendent des Flandres et qui vont jusqu'en Italie, et qui passent par la Champagne, qui passent par Reims, etc., et qui transmettent toutes les nouvelles à Venise, à Rome, etc. Et toutes les nouvelles disent « il s'est passé un truc incroyable ».
et une jeune fille qui est soi-disant portée par les anges, enfin bon, donc on ne parle que de ça. Et donc, on va faire une organisation pour dire qu'elle est diablesse, sorcière, démoniaque, tout ce qu'on veut. Bon. Enfin, le pire, hérétique, relapse, tout. Bon, schismatique, ça c'est le truc chic. Le reste, c'est catin, putain, soldat, etc. Bon. Et elle arrive donc là, et devant elle, l'évêque, les 46 personnes, parfois ils sont 60, enfin c'est extrêmement impressionnant. Elle n'a pas d'avocat, elle est toute seule, elle est dans des conditions de détention qui sont très très dures, très très dures. Et à l'époque, c'est intéressant d'ailleurs au plan de la procédure pénale, dont on devrait en prendre une leçon, à l'époque, la prison préventive est considérée comme une torture. C'est une torture moyenne, comme on dit. La torture plus dure, c'est quand on se couvre. Mais la torture moyenne, la prison est déjà considérée comme une torture moyenne, parce que c'est éprouvant et que ça vous met en état de faiblesse. Bon. Elle est dans sa cellule, elle est gardée par deux hommes dehors, deux hommes dedans, bon, donc elle n'est jamais seule. Et elle est attachée, elle est ferrée, elle a les pieds fers aux pieds. Et la nuit, elle est attachée avec une barre de bois transversale avec deux poids, de façon à ne, elle peut même pas, quand elle veut se lever, comme elle dit, pour nécessiter le corps, il faut qu'elle demande au gardien de lever le truc et de la laisser sortir. C'est extrêmement pénible. Donc elle est dans un état de faiblesse, et voulue, hein, c'est délibéré, pour la mettre en état de faiblesse physique. En plus, elle est d'une très grande piété depuis toujours. Elle va à la messe en général presque tous les jours, sauf quand les batailles l'en empêchent. Elle se confesse très souvent, parfois une fois par jour, parfois deux fois par jour. Bon, enfin, elle est vraiment très accrochée, si on peut dire, au sacrement. Et on lui supprime tout. Et tout. Et puis elle a toujours vécu en compagnie. C'est pas une solitaire, Jeanne. Elle a toujours vécu soit avec sa famille, avec ses frères, avec ses compagnons de guerre, avec les femmes qui l'accompagnaient. Enfin, elle vit toujours en compagnie. Et là, elle est seule, absolument seule. Bon. Donc, toutes les conditions sont faites pour la mettre, l'écraser. Et donc, elle arrive là, et Cochon lui dit un truc qui est tout à fait banal, qui lui dit « Maintenant, vous allez prêter serment de dire la vérité sur ce qu'on vous demandera. » Et Jeanne, tout de suite, devant ces 47 personnes, « Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger. » Par aventure, me pourriez-vous demander telle chose que je ne vous dirai point. Ben, l'avocat, d'abord, l'avocat se dit, n'importe quel accusé qui arrive, on lui dit maintenant vous allez faire ça, il dit oui, monsieur le président. Bon. Là, elle fixe son truc, je ne sais sur quoi vous me voulez interroger, par aventure, me pourriez-vous demander telle chose que je ne vous dirai point. L'autre, il est quand même étonné, il dit, vous jurez de dire vérité sur ce qui vous sera demandé concernant la matière de foi. Donc, il recule le juge, ce qui est très rare. Il recule, il ne sait plus tout ce qui vous sera demandé, c'est la matière de foi. Et elle ne se plie pas du tout. Et elle précise, de mon père, de ma mère, et des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France, volontiers je jurerai. Mais des révélations à moi faites de par Dieu, je ne les ai dites ni révélées à personne, fort au seul Charles, mon roi. Et je les révélerai, même si on devait couper la tête. Et là, l'avocat est complètement sidéré. Parce qu'il y a un principe de base dans toutes les justices du monde, c'est que c'est le président qui pose les questions, c'est le président qui fixe la marche du procès, c'est le président qui dit « je vous pose la question et vous allez me répondre », et c'est jamais l'accusé qui dit « attendez, je répondrai là-dessus, et puis là-dessus, je ne répondrai pas ». De temps en temps, quand... dans les affaires, les grands procès, disons, politiques ou criminels, l'avocat, les avocats se concertent avec les clients et disent, bon, là-dessus vous répondrez, là-dessus vous répondrez pas, mais alors vous ferez appel à votre devoir, à votre droit de vous taire, bon. Mais jamais, aucun avocat dit, vous allez dire au président, attendez, monsieur le président, c'est moi qui fixe l'ordre des débats et c'est moi qui dis ce sur quoi je répondrai et ce sur quoi je répondrai pas. Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est tellement vrai, et c'est tellement fort, que immédiatement, Cochon reprend en disant « Nous admettons, nous requérons de vouloir prêter serment. » Elle dit « Bon, sur la matière de foi,
je jure de dire vérité sur les choses qui me seront demandées et que je saurai concernant la matière de foi, mais de mes révélations, je ne dirai rien à personne. Et là, Cochon qui a plié, commence l'interrogatoire, comme un interrogatoire d'identité absolument banal. Votre nom, votre surnom, mon pays, m'appelait Jeannette, etc., votre lieu d'origine et tout. Elle a fixé la marche du procès, il vient exactement là où elle lui a dit, de mon père, de ma mère, et des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France volontiers, je jurerai. L'évêque est quand même un fin praticien, il plie, et il se plie à l'ordre que Jeanne a fixé. Ça, c'est le début. Et vous savez, dans un procès, on sait que c'est comme dans les symphonies, les notes du début disent tout. Tempo disent tout. Et là, on sent que Jeanne a pris la main sur le procès. Et elle gardera la main sur le procès jusqu'au bout. Bien sûr, à la fin, elle est condamnée à mort, elle est brûlée, d'accord. Bon. Mais ce qu'il cherchait, le secret entre Jeanne et le roi, jamais, elle ne le dira. Du coup, ça va dévier. Et parce que Cochon, il n'a rien contre Jeanne. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'a pas il n'a pas de matière. On a cherché, elle a été arrêtée le 24 mai. Elle comparait le 22 février, le 21 février. Bon, entre le 24 mai et le 21 février, on a cherché. Ils ont envoyé des gens partout. Ils ont envoyé des gens à Dorémy pour dire alors comment elle était. Et les enquêteurs sont revenus et ont dit « De ce qu'on nous a dit, on aurait aimé l'entendre de notre mère ou de notre sœur. » Alors Cochon leur a dit « Bon, là, vous pouvez le rhabiller. Bon. » Et même il les a dit « Vous quittez Rouen. » Bon, parce que dès qu'on était un peu pas contre Jeanne, on quitte Rouen ou on va en prison. Ils ont cherché les crimes de guerre. Quand on fait la guerre, on peut avoir fait des crimes de guerre. Bon, pas de crimes de guerre. Ils ont tout cherché. Ils ont cherché les mœurs, puisqu'elle conseille. Rien du tout. Bon. Alors, il n'y a plus qu'une chose. C'est là où Cochon est très fin. Il est très fort. Puis il est aidé du vice-inquisiteur, qui est très fort aussi, Jean Beaupère. Et ils se disent, bon, on va la poursuivre pour hérésie. L'hérésie, c'est un délit continu. Si on arrive, et c'est pour ça qu'il faut comprendre pour comprendre le procès, si on arrive à lui faire dire quelque chose qui est contre la foi catholique ou qui est hérétique par rapport à la foi, d'où toutes les questions qui sont posées, eh bien là, elle est foutue. Et là, on la tient. On la tient et on fait le procès. Parce qu'il faut la tuer, c'est entendu, elle sera tuée. De toute façon, on se débrouillera, elle sera tuée. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un beau procès à qui sera écrit, dont on aura plusieurs versions, enfin plusieurs versions, plusieurs exemplaires, et qui sera envoyé à toute la chrétienté, qui sera envoyé à toutes les cours d'Europe, qui sera envoyé à Rome, qui sera envoyé partout, pour dire, voilà, et ben la femme qui a fait sacrer Charles VII à Reims, voilà ce qu'elle est. Et ça a été jugé, et vous avez tous les éléments. Et à partir de ce moment-là, Charles VII est déconsidéré, et à partir de ce moment-là, ils ont gagné la guerre psychologique. Ils ont gagné la guerre politique. Ils ont gagné. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir un beau procès. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher et qu'ils vont avoir toutes ces questions et que le procès va dévier. Alors, le secret entre Jeanne et le roi, ce secret, il était très simple. Et le roi l'a dit après. Mais Jeanne ne peut pas le dire parce que le secret, elle est très maline. Elle sait ce qu'ils vont en faire. Le secret, c'est que Charles VII doutait de sa filiation. Parce qu'il allait de défaite en défaite. Sa mère avait une conduite plus que légère. Bon, elle a multiplié les amants. Son père était fou. Bon, donc, à un moment, il se dit, bon, c'est pas compliqué. Si je vais de défaite en défaite comme ça, le sort est contre moi. Donc, comme on parlait autant, le ciel est contre moi. Bon. Donc, c'est que je ne suis pas le fils de Charles VI. Je ne suis pas le fils de mon père. Donc si je ne suis pas le fils de mon père, j'ai aucun titre à régner. Et un jour, dans son château de Loches, dans la chapelle du château de Loches, un matin, il tombe à genoux et il dit, seul, il dit devant le Saint-Sacrement, il dit « Seigneur, si je ne suis pas le fils de mon père, envoyez-moi un signe, envoyez-moi quelque chose qui me le fasse dire et j'arrête la guerre. Et je me retire soit en Aragon, soit en Écosse, et j'arrête, on arrête tout ça. Bon. » Et quand Jeanne arrive le voir à Chinon, d'abord il se cache dans la foule, bon, elle va le voir, elle dit, on met
un beau gentilhomme sur la chaise royale. Elle dit, non, c'est pas lui. Elles font la foule et elle va le voir. Elle pose un genou en terre et elle lui dit, gentil dauphin, j'ai quelque chose à te dire. Et donc, ils vont dans la chapelle qui est au bout de la grande salle du château de Chinon. Et là, elle lui dit, je suis venu de Bardieu te dire que tu es le vrai héritier du royaume de France. Alors, tous les chroniqueurs du temps ont dit qu'il est sorti transformé de cet entretien extrêmement bref. Bon. Mais elle ne peut pas le dire, parce que si elle le dit, bon, elle ne veut pas dire un secret à ses ennemis. Mais en plus, si elle le dit, elle sait très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont dire dans toute la chrétienté, Charles a douté d'être le fils de son père. Le reste, on va l'oublier. Le reste, la révélation de la sorcière, on va l'oublier. Mais ce qu'on va garder, c'est que Charles doutait d'être le fils de son père, et c'est ce qui va répandre partout. Charles n'est pas le fils de son père, ça va très vite. Bon. Et donc, il n'est pas le fils de Charles VI, de Charles VI, et donc il n'a aucun droit à régner. Donc, c'est le secret qu'elle tient et qu'elle ne donnera pas. Bon. Et alors, à partir de là, eux, ils vont dévier et ils vont faire un procès purement et spécifiquement religieux. Et après, ça sera une guerre entre eux, directe, et qui tourne, alors vous verrez ça si vous lisez ce livre, et qui tourne alors à la bataille, mais je dirais corps à corps, entre ces juges et cette jeune fille, et ça n'a plus aucun autre sens que tu vas plier. Tu vas plier, c'est fini. Et dans la fiche que vous avez mise, ça se voit très bien, là, avec la tête de cochon et de chat. On va finir par t'avoir, quoi. Tu vas plier, et à un moment, c'est vrai, que dans ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'abjuration, elle plie, elle tombe, elle dit « je ferai ce que vous voudrez ». C'est la seule fois de tout le procès où elle dit à un moment « je ferai ce que vous voudrez bon. ». Devant le bûcher et tout. Et puis elle se reprend après elle est, comme elle s'est reprise, elle est relapse, et donc elle est condamnée. Mais c'est d'une intensité dramatique extraordinaire, parce qu'on la voit tenant tête, et ce jeu entre les juges et elle, ce jeu, cette guerre, ce drame, cette tragédie entre les juges et elle, font sortir, alors ça c'est ce qui a été pour moi la révélation, font sortir des véritables bijoux, des diamants. Quoi. Bon. Et ce que mon rôle à ce moment-là, moi comme commentateur, c'était même pas un commentateur, je me suis dit, j'ai trouvé des perles, j'ai trouvé des diamants, et avant je les avais pas vus. J'étais passé 10 fois devant, 10 fois, 100 fois, devant, sans les voir. Et donc, je voudrais pas que les lecteurs les voient pas. Donc, je vais les mettre en valeur. Donc, tout le seul travail que j'ai fait, c'est d'essayer de mettre en valeur, d'abord, la stratégie de Jeanne, aussi sa vivacité, mais aussi cette qualité extraordinaire de la langue de Jeanne. Je vous donne un exemple. Dans la séance du 22 février, la deuxième audience, où elle est interrogée par le grand inquisiteur, enfin le vice-inquisiteur, il lui dit « Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix ?» Et voilà le texte sur lequel j'étais passé, je ne sais pas combien, 50 fois ou 100 fois ou 200 fois, et que j'avais pas vu, et j'ai vu que beaucoup d'historiens ne l'avaient pas vu, parce qu'ils l'ont retransmis de façon, enfin, pas exactement la minute du procès. Et si vous lisez la minute du procès, écoutez bien. « Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. » Je ne sais pas si vous regardez comme la précision de la pensée. « J'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. » C'est une fille de 19 ans qui parle, et elle parle d'une expérience à 13 ans. C'est pas une espèce de truc qui vous tombe dessus comme ça, c'est extrêmement précis sur le plan psychologique, pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix, alors ça, c'est pour moi, c'est la plus belle phrase de la langue française. Et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. On ne sait plus si on est dans la poésie, si on est dans la religion, si on est dans Et ça lui vient comme ça. Dans un manuscrit, il y a en un jour de jeûne. Et elle précise, je n'avais pas jeûné la veille. Et elle précise, je n'avais pas jeûné la veille parce qu'elle veut dire, ça ne fait pas 2 jours de jeûne.
Parce que si j'ai jeûné 2 jours, on peut dire que je suis en état de faiblesse et c'est une hallucination, etc. J'ouïs la voix droite du côté vers l'église et rarement je l'ouïs sans clarté. Et à une autre fois, elle dit, alors ça pour un orateur, c'est quelque chose qui m'a saisi aussi. Au son de la voix vient la clarté. Je me suis dit, là, j'aimerais bien, moi, qu'on puisse dire, au son de la voix vient la clarté. C'est le rêve de tout homme qui parle, quoi. Et ainsi, bien sûr, il y a les réponses très célèbres. Jeanne, êtes-vous en état de grâce? Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y tienne. Bon. Et les notaires, enfin, les greffiers notent, il y eut un grand silence dans les juges. À un moment aussi, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les citer, mais c'est très significatif. Ça. À un moment, on lui pose la question de son étendard. Alors, elle décrit son étendard et le juge lui pose cette question qui paraît absurde, mais enfin, ils ne savent plus où ils sont, les pauvres. Et alors, elle lui dit, est-ce que vous aimiez mieux votre étendard ou votre épée? J'aimais mieux mon étendard, voire 40 fois que mon épée. Et quand je chargeais les ennemis, je portais toujours mon étendard pour éviter de tuer personne, de tuer quelqu'un. Et cette phrase extraordinaire d'un chef de guerre, « Je n'ai jamais tué personne ». Alors, Cochon, complètement sidéré, il lui dit, « Enfin, quand même, Jeanne, vous avez été dans des endroits où il y a beaucoup d'Anglais qui furent massacrés. À Pathé, elle en a mis 3875 au tapis, ça fait quand même beaucoup. Bon. » Et elle répond, quand vous en parlez doucement, que rentrait-il chez eux? Et à ce moment-là, un seigneur anglais qui est dans la salle, qui assiste, crie, à haute voix, puisque les notaires le notent, « Quelle bonne femme! Que n'est-elle anglaise ?» Et Cochon se dit, il interrompt les audiences publiques, il n'y a plus d'audience publique. Après, tous les interrogatoires se feront en audience privée, en audience non publique, dans sa cellule, parce qu'il a senti qu'elle retournait, même les Anglais. Et que, alors ce que j'ai pas pu dire dans mon livre, parce que je ne peux pas tout dire, mais les juges, les 64 ou les 47 qui sont là, qui se succèdent, ne sont pas tous les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui finissent par prendre le parti de Jeanne. Donc, on les chasse, et puis il y en a qui ne veulent plus revenir, parce qu'ils disent que c'est scandaleux, c'est monstrueux ce qui se passe, etc. Donc, ce qu'elle voit au début, et c'est ça qui m'a frappé, au début, on sent très bien qu'elle se dit, bon, c'est une bataille. Ils veulent me tuer, c'est entendu, bon, c'est clair, mais je vais la livrer, cette bataille. Et c'est pas sûr que je perde. Et elle a qu'une idée, mais une idée extraordinairement simple. Comme sa stratégie militaire était très simple, son idée là aussi est très simple. Elle dit, ils veulent me tuer, donc il faut gagner du temps. Et donc, elle joue la montre et elle joue le temps. Et à un moment, elle dit, bon, elle lui pose des questions, elle dit, reposez-moi cette question dans 15 jours. Il lui dit, attendez, j'ai jamais vu ça aux assises. Vous imaginez un type aux assises, le président lui dit, bon, monsieur, vous allez nous dire ce que vous avez fait, parlez-moi dans 15 jours et puis je vous le dirai. Bon, c'est pas possible. Et ils attendent 15 jours. Et elle gagne 15 jours. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle attend que ses copains, tous ses compagnons, etc., fassent un coup de main et viennent la libérer. Elle se dit, ils vont bien y arriver. Le duc d'Alençon, la Hire, que ça traille, enfin, tous ces beaux chefs de guerre, ces capitaines qui étaient tous ses amis, ses compagnons, ils vont faire quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont fait quelque chose. Ils sont arrivés jusqu'à Louviers, et puis après, ils n'ont pas pu aller plus loin. Et puis, elle l'a senti, parce qu'à un moment, la pression s'est faite beaucoup plus dure dans la prison. Donc, elle s'est dit, c'est qu'on est en train d'essayer d'opérer de l'autre côté. Et c'était compliqué, parce qu'il fallait arriver en pleine audience. Parce que s'ils arrivaient de nuit ou de jour, ils l'étranglaient dans la cellule, et puis c'était terminé. Donc en fait, s'ils voulaient la libérer, il fallait la libérer en pleine audience. C'est quand même très compliqué. Ils ne sont pas arrivés. Mais elle fait ce pari. Et elle a une mission qui est très simple. Elle a une mission, Jeanne. Elle a une mission qui se divise en quatre points. Libérer Orléans, c'est fait. Sacrer le roi Reims, c'est fait. Libérer Paris, c'est pas fait. Libérer Charles d'Orléans, qui est en Angleterre, c'est pas fait. Et donc, il lui reste les deux. Et plusieurs fois, il lui reste les deux. Et donc, tant qu'elle n'a pas fait, elle ne plie pas. Et c'est pour ça qu'elle reste aussi en habit d'homme. Son habit d'homme, c'est son habit de soldat. C'est son habit de service. Elle est en tenue de service. Et elle ne quitte pas sa tenue de service tant que le service n'est pas accompli. Elle est d'une simplicité
biblique, si on peut dire ça, ça lui va bien. Mais en même temps, elle est aussi extraordinairement habile vis-à-vis d'eux. Parce qu'elle ne tombe dans aucun des pièges dans lesquels qui lui sont tendus. Et même, plusieurs fois, elle les met en état, pas d'échec et mat, mais en tout cas en état d'échec. À un moment, Cochon lui dit, est-ce que vous obéissez à l'Église ? Elle dit, oui, j'obéis à l'Église. Et Cochon lui dit, mais il y a l'Église triomphante, c'est l'Église du ciel, bon, etc. Et puis il y a l'Église militante qui est ici, sur Terre, enfin il la prend pour un peu une neuneu, enfin bon, et qui est commandée par le pape. Elle dit, il est commandé par le pape, menez-moi devant lui. Ce qui est un argument de droit. Après, ça a été ressorti, puisqu'il y a eu un procès d'annulation de ce procès, dans lequel on a dit c'est l'appel au pape en matière de procès d'hérésie, c'est imparable. Le procès doit s'arrêter et on l'a conduit vers le pape. Alors, et ça, elle ne le sait pas en droit, mais elle le sait intuitivement. Et là, à ce moment-là, Cochon dit non, mais le pape, il est trop loin, d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est, etc. Bon, bon, alors, on peut pas, alors il y a les évêques et tout, et tout. Et il y a le concile. Menez-moi au concile. Et alors il dit, mais qui lui a parlé de concile? Alors il y a La Fontaine qui dit, ben c'est moi. La Fontaine est chassée, etc. Donc elle est extraordinairement habile dans le sursaut, dans l'exception de procédure, comme nous disons nous avocats. À un moment, quand le président ou le procureur de la République ou l'avocat général qui mène la poursuite fait un faux pas de procédure, ben, c'est notre métier. On saute et on dit, greffier, notez s'il vous plaît. Notez s'il vous plaît. Ça fait un cas de nullité, ou un cas de cassation, ou un cas de recours, etc. Bon. Elle fait ça, Jeanne. Elle fait ça sans avocat et spontanément, avec une intuition du... Et donc, voilà. Et donc, alors, je vous dis, j'ai découvert un être exceptionnel et complètement, alors je vous dis, complètement unique. Et après, je dois dire que tous les livres que j'avais lus sur elle, je ne vais pas être méchant avec les historiens, mais si quand même, me sont un peu tombés des mains, parce qu'en fait, ils ont fait des thèses sur Jeanne. Alors il y a toutes les thèses, il y a eu la Jeanne démocratique et populaire de Michelet, il y a la Jeanne royaliste d'un autre, il y a la Jeanne surnaturelle des prêtres, il y a la Jeanne libre-penseuse des autres, etc. Mais tout ça, c'est bien gentil, mais c'est des thèses sur Jeanne. Et là, on l'a en vrai. Bon. Et on peut pas discuter un seul point, puisque c'est rassemblé par ses pires ennemis, et qui ne lui ont fait aucun cadeau. Mais en même temps, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut rendre grâce à la procédure, en même temps, ils ont taillé dans le marbre, ils ont enchâssé une chose merveilleuse qu'on a gardée pour l'histoire et qui nous permet de voir revivre 6 siècles après comme si elle était là, avec sa vivacité, avec son humour. Quand Cochon lui dit « Saint-Michel était-il nu ?» Il dit « Croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir ?» Et avait-il des cheveux? Et pourquoi les lui aurait-on coupé? Enfin, on découpe ça et on dit, mais c'est des morceaux de théâtre. Hein. Et cette rapidité, avec parfois des choses qui sont quand même stupéfiantes, parce qu'on est en carême. On est en carême et l'inquisiteur lui dit, avez-vous fait carême? Oui, j'ai fait carême. Depuis hier, je n'ai ni mangé ni bu. Ben, vous savez, 5 ou 6 heures d'audience, sans avoir rien mangé ni bu depuis la veille, regardez bien, allez aux audiences et regardez aujourd'hui, vous verrez, les avocats, ils ont tous des verres d'eau. Les juges aussi, les barres chocolatées, les machins, la vitamine C et tout. Parce que si vous êtes en état, bah, si vous êtes en état d'hypoglycémie, tant que le truc est passé, vous l'avez raté. Et c'est pas comme au théâtre où on peut dire on recommence la scène le lendemain. Hein. Alors on va dire, ah, c'est raté, c'est fini. On peut dire, excusez-moi, j'étais distrait. Non, c'est fini, c'est passé. Bon. Et donc, il faut une présence d'esprit et une mémoire. Elle a une mémoire, elle lui dit, mais je vous ai répondu ça déjà. Je vous ai répondu ça il y a 15 jours, vous n'avez qu'à reporter aux notes du... Et après, quand on lui relit tout le procès, pour savoir si elle est d'accord ou pas, elle fait corriger certaines choses. Et donc, elle a... Non, je n'ai pas exactement dit ça.
Et donc c'est absolument stupéfiant. Voilà, alors ça, c'était mon premier, comment dire, ma première découverte avec, en même temps, à l'intérieur, je vous dis, ce chef-d'œuvre de la langue française. Je ne connaissais pas cette formule, je connaissais la formule que Brasillach a mise dans sa préface, je la connais par cœur parce qu'elle est très belle. Le plus pur et le plus émouvant chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille visitée par les anges et de curés muets pour l'occasion en tortionnaire. Là, tout est dit, et Cocteau disait le plus grand écrivain de la langue française. Je ne savais pas, j'ai lu ça, j'ai appris ça il y a quelques temps, mais Laforgue et Alain Fournier, Alain Fournier citant Laforgue, disaient Jeanne parle un français de Christ. Donc on est vraiment dans quelque chose d'unique. Et ce balancement, cette communication entre le surnaturel et le naturel, ce naturel dans le surnaturel, ou comme dit Michelet dans une formule absolument étonnante, ce bon sens dans l'exaltation, c'est quelque chose d'unique. Et donc ça fait un personnage qui est vraiment, je crois qu'il n'y en a pas d'autre dans l'histoire, et qui est en même temps cette même vivacité et ce même charme, parce que c'est quand même une jeune fille. Et elle a aussi des côtés très jeune fille. Ses contemporains, qui ont déposé ensuite au procès dit de réhabilitation, 25 ans après, disaient qu'elle riait beaucoup et qu'elle pleurait beaucoup aussi, et qu'elle passait très vite du rire aux larmes. Et on le sent d'ailleurs, même parfois, il lui arrive dans sa cellule, elle pleure. Après, quand elle a été victime de la tentative de viol d'un milord anglais qui est venu, donc elle est quand même tenue par les gardiens, et le type essaie de la violer... sur place, c'est quand même elle pleure quand elle raconte. Quand elle raconte à ses juges, au moins elle pleure. Et puis elle se reprend. Et elle est tout le temps entre ces deux, à la fin, dans les toutes dernières scènes, je ne sais plus lequel des juges lui dit, juste avant sa mort, Jeanne, est-ce que vous soumettez à l'Église ? Elle dit je me soumets de tout mon cœur à l'Église et j'obéis de tout mon cœur à l'Église, enfin avec une soumission de petite fille. Là-dessus, entre cochons, et elle se redresse, elle lui dit évêque, c'est par vous que je meurs. Il y a un contraste étonnant. Et les deux sentiments sont vrais. C'est une petite fille qui était très respectueuse, très pieuse, très simple, très sage. Et en même temps, c'est un chef de guerre, c'est un chef politique, c'est dans notre jargon d'avocat, on dit c'est un animal judiciaire absolument stupéfiant. Et donc, ça paraît, c'est un personnage extraordinaire, au sens le plus vrai du terme. Et la formule que j'ai mise en exergue, les deux formules d'Alain, philosophe, qui dit « c'est la plus belle histoire du monde », et Philippe Contamine, son historien actuel, qui dit « non seulement c'est la plus belle de l'histoire du monde, mais c'est une histoire qui est tout simplement vraie. Ce qui est d'une certaine façon encore plus exceptionnel. Alors, voilà pourquoi j'ai fait ce livre, je ne sais pas. Mais en tout cas, dès que je m'y suis plongé, je sais ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé Jeanne. J'ai compris, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé dans ce personnage, je vais vous... Quelqu'un l'a dit mieux que moi, mais j'ai trouvé cette phrase il y a très peu de temps, et elle m'a paru absolument... elle m'est allée droit au cœur. C'est une page de Jean Guiton, en mai 43. Donc en mai 43, il est prisonnier dans un naufrague, naufrague 4D, et il observe, c'est les prisonniers là, et qui sont tous ses compatriotes, et il y a toutes les catégories de Français, et toutes les catégories de Français qui à la fois sont unies par le fait qu'ils sont tous en prison ensemble, mais qui sont quand même complètement séparés, complètement différents. Il y a les gens de gauche, il y a les gens de droite, il y a les gens qui croient, il y a les gens qui croient pas, il y a les riches et il y a les pauvres, enfin voilà. Et il dit que malgré la juxtaposition extrême de tous dans la même baraque, on sent encore l'esprit du camp originel et l'opposition.
Il réfléchit et il dit, au fond, ces diverses Frances souffrent, en grande partie parce qu'elles sont séparées l'une de l'autre. Et le jour où elles se retrouveront, elles se reconnaîtront assez vite. Encore faudrait-il un centre de pureté et de vérité, autour duquel les énergies latentes viennent se grouper. Il faudra peu, mais ce peu sera tout. Un souffle, une lumière, une doctrine, une direction, une voix venue du fond de la conscience de la France et qui aille au-delà du présent. En somme, ça lui vient spontanément, il faudrait l'analogue de ce que Jeanne fut. Et après, un peu plus, mais en somme, sans attendre de miracle, et en traduisant dans une longue durée, dans une longue chaîne d'action et de patience, ce que Jeanne d'Arc en d'autres temps a exprimé en un instant fulgurant, on pourrait refaire un pays. Et tout d'un coup, je me suis dit, alors finalement, c'était pas le but. J'étais pas parti pour ça. Mais je me suis dit, mais maintenant, au fond, on peut pas dire que ça se passe très bien dans notre pays, quoi. De quelque bord qu'on soit, on peut pas dire que ça se passe très bien. Et je me suis dit, mais au fond, et puis on sait plus où on en est, on sait plus. S'il y avait. Si les Français, ou si tout le monde ici, le plus grand nombre possible, s'attacher à connaître Jeanne, à lire Jeanne, et non pas, alors j'ai envie de donner presque un mode d'emploi de mon livre, je dirais, lisez-le, mais le lisez pas seul. Ce qui est bien, et j'ai fait l'expérience, c'est pour ça que je vous dis, ce qui est bien, c'est de le lire, et puis d'en parler ensemble. C'est pour ça que je suis très heureux de m'y inviter, parce que c'est d'en parler ensemble, et de s'échanger, comme on dit, t'as vu ça? T'as vu, là, elle était encore meilleure qu'on pensait, là. Et de s'échanger et de communier dans l'admiration pour Jeanne et dans toutes les questions que cela pose. Parce que y a des choses sur lesquelles on pourrait s'arrêter. Hier, j'ai fait une conférence sur ce livre. Et en le lisant, je me suis aperçu d'une chose, dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, sur les apparitions, là, sa première apparition. Je me suis dit, mais au fond, c'est étonnant. Quand j'ai eu l'âge de 13 ans, j'ai eu une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Si vous séparez cette phrase, et la première fois, j'eus grand peur, c'est une phrase de la jeune fille devant l'amour. La première fois, j'eus grand peur. Et elle est très exactement là, parce qu'elle a 13 ans. 13 ans à l'époque, c'est l'âge de la nubilité. C'est l'âge où, à l'époque, les filles pouvaient se marier à 13 ans, les garçons à 15. C'est l'âge où elle devient femme. Bon, et donc, et elle a exactement, à l'égard de cette voix de Dieu, elle a exactement le sentiment de la jeune fille devant son premier amour. La première fois, j'ai eu grand peur. Et après, on lui dit, mais à quoi avez-vous vu que ces voix étaient, comme vous disiez, des voix de Dieu, qui venaient de Dieu ? Parce qu'elle me disait de bonnes choses. Donc, elle exerce son jugement, et puis mais finalement, elle me dit de bonnes choses. Donc, ça doit venir de quelque chose de bien. Donc, elle n'est pas du tout mystico-dingo. Elle est extrêmement, comme dit Michelet dans cette formule étonnante, elle a le bon sens dans l'exaltation. Elle dit, voilà, si on lui avait dit n'importe quoi, pourtant, ils lui disent à un moment des choses qui sont quand même n'importe quoi. Quand ils lui disent, il faut partir, Jeanne. Elle dit, mais je ne sais pas faire la guerre. Mais je ne sais pas monter à cheval. Mais va, on t'aidera. Bon. Et donc, et puis au bout d'un moment, ça devient, elle le dit très bien, ça devient plus fort qu'elle. Elle se dit, mais maintenant, je ne peux plus. Elle dit, je n'y tenais plus. Et quand j'aurais eu 100 pères et 100 mères, quand j'aurais été fille de roi, je serais partie. Et là, on voit à la fois l'appel de la vocation, c'est évident, et en même temps, on voit le tempérament. Parce qu'on aurait pu dire, bon, eh bien, j'ai décidé, je pars. Mais non. Quand j'aurais eu 100 pères, 100 mères, quand j'aurais été fille de roi, je serais parti. On sent l'énergie qui d'ailleurs la conduit tout le temps quand elle arrive et qu'elle dit aux jeunes gens qui partent avec elle, alors Jeanne, quand voulez-vous qu'on parte? Aujourd'hui plutôt que demain et demain plutôt qu'après-demain. Bon, et donc c'est tout le temps. Et quand elle rentre dans le conseil du roi et qu'elle dit au roi, sire, arrêtez de délibérer maintenant, arrêtez de délibérer et venez vous faire sacrer à Reims. Ouais, terminer le discours, etc. Non, elle est comme ça. Bon, et donc je me suis dit, on pourrait partager cela, et ça serait une occasion de peut-être de se rencontrer. Et, et,
et de faire, comme disait Jean Guiton, que ces diverses France se rencontrent et dans un centre de pureté et dans un être de pureté. Et alors, pour terminer, ce livre m'a valu beaucoup d'aventures, et j'ai été invité par une école à Asnières, qui était un peu une école pilote d'intégration des milieux dits de la diversité, etc. Et donc, c'était des enfants qui allaient de 7 ans, 8 ans à 13 ans. C'était une trentaine. Des classes confondues, on m'a dit, venez leur parler de Jeanne d'Arc. Alors je suis allé leur parler de Jeanne d'Arc. Et il y avait beaucoup de jeunes filles, qui étaient musulmanes, puisque elles sont à 80% musulmanes. Et donc, j'ai raconté. Alors c'est un peu compliqué, parce que j'ai la voix de la conscience. Elle dit, c'est quoi, monsieur, la conscience ? J'ai la conscience, tu vois, c'est quand tu es à l'intérieur de toi, le sentiment, tu te dis ça c'est pas bien ce que j'ai fait, ça c'est bien ce que j'ai fait, etc. Enfin bon, il y avait beaucoup. Ben, elle se confessait, mais c'est quoi se confesser ? Alors, bon, ouais. Alors donc, bon, j'ai fait un petit cours de catéchisme en même temps, mais en même temps, et à la sortie, à un moment, il y a les professeurs qui ont dit bon, maintenant, elle m'avait dit c'est trois quarts d'heure, puis pause de 10 minutes, puis re-trois quarts d'heure. Et donc, on arrive au bout des trois quarts d'heure, et il y a un professeur qui dit, bon, maintenant, on va faire la pause. Ah non, monsieur, on continue, Alors, je dis, non, bon, alors on a fait quand même la pause, puis on est revenu, et puis on a continué, alors j'ai raconté, enfin bref. Et à la sortie, alors les jeunes filles, je veux dire, plus les jeunes filles, c'est toujours comme ça, elles sont, c'est normal, en plus, c'est Jeanne. Comme par hasard. On dit, monsieur, on va faire un truc, courir qu'en fait. Moi je vais être Jeanne. Alors je dis, oui, tu seras Jeanne. Et on sentait un enthousiasme, et je me suis dit, au fond, c'est pas compliqué, parce que là, on traverse même les religions, parce que la beauté et le charme du personnage l'emportent surtout. Voilà, alors je me suis dit, ça peut faire une œuvre de paix, et une œuvre de lumière, comme dit Jean Guiton, et c'est pour ça que j'ai bien aimé que j'avais demandé aux belles lettres de me mettre ça en première de couverture. Je leur avais demandé deux choses. Je leur avais dit, vous mettrez Jeanne et pas mon nom. C'est pas pour faire de l'humilité spectaculaire, mais c'est parce que c'est le livre de Jeanne et c'est pas le livre de quelqu'un sur Jeanne. Bon. Et en plus, j'avais dit, je voudrais ça, c'est une tapisserie qui a été trouvée en 2010. On l'a retrouvée très, très, très récemment. Elle est au Louvre. Si vous y allez dans la salle des tapisseries du 15e, elle est couverte de tapisseries, vous rentrez, vous ne voyez que celle-là tellement elle éclate. Les autres n'existent plus. Elle éclate à cause des couleurs, du rouge et or, etc. Et elle est toute l'histoire de Jeanne. C'est-à-dire que vous avez le soleil. Elle est solaire, Jeanne. Ça, c'est le soleil de justice. Donc, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ, roi du monde, roi des cieux et roi du monde. Et qui est en même temps le soleil. N'oubliez pas, Eva, cette voix, environ l'heure de midi au temps de l'été. Midi au temps de l'été, c'est. Elle est complètement solaire, cette fille. Et ça se sent. Je ne sais pas quel était son signe astral, je suis pas fort là-dedans. Mais elle devait avoir un machin de Jupiter dans le soleil, ou quelque chose comme ça, parce que Et puis, les anges, donc Michel et Saint-Michel et Saint-Gabriel, alors c'est drôle, parce qu'à un moment, il l'interroge beaucoup sur Saint-Michel, et puis elle dit, et puis alors, il y avait Saint-Gabriel. Alors là, on sent que les juges disent, ah non, pas en plus Saint-Gabriel, quoi. On n'attendait pas un de plus. Ah oui, j'ai oublié quand même, il faut que je vous dise en terminant quand même quelque chose. À un moment, les juges lui disent Sainte Catherine et Sainte Marguerite, sur leur couronne, avaient-elles des anneaux ? Alors, Jeanne dit non. Et le juge, il s'en fout de la première question, mais il veut l'amener à une autre question qui est très importante. Et vous, Jeanne, aviez-vous des anneaux ? Parce que l'anneau, c'est un instrument très prisé par les sorcières. Et donc, comme elle est considérée comme sorcière, et là, ils ont pris quelque chose. Et Jeanne le sait, et elle répond immédiatement au juge, « Vous, vous en avez un ! À moi ! Rendez-le-moi ! » Là aussi, l'avocat est complètement suffoqué, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça, un juge. Hein. Vous dites, monsieur le président, j'ai déposé une requête en restitution d'un bien, etc. Bon. Et là, tout de suite, vous en avez un moi, rendez-le-moi. Les bourguignons ont un autre anneau. Alors en fait, qui vous a donné cet anneau, dit Cochon,
dit, mais ce sont mes pères et mères qui me l'ont donné à Dorémy. Et donc, on pense qu'il l'a donné à peu près à l'âge de 13 ans, puisque c'était à peu près à ce moment-là que c'est le cinquième. C'est à peu près à ce moment-là qu'il était qu'on le donnait aux jeunes filles. Quoi. Excusez-moi, je croyais que c'était. Enfin, remarquez, je le connais à peu près par cœur, mais je voudrais quand même être sûr de mon texte. Et elle, elle dit que ce sont mes pères et mères qui me l'ont donné. Et puis il m'a été pris par les Bourguignons lorsqu'elle a été faite prisonnière à Compiègne. Et mon frère m'en a donné un autre que vous avez. Et je vous charge de le donner à l'Église. Et puis après, il revient. Et il lui dit, est-ce que vous avez guéri des gens avec ces anneaux ? Elle dit non, je n'ai guéri personne. Ça, c'est la question piège. Si j'ai guéri quelqu'un, c'est que l'anneau est magique. Bon. Et ensuite, dans son interrogatoire en prison, l'un des juges vient lui dire, pourquoi regardiez-vous souvent votre anneau avant les batailles ? Parce qu'il y a un capitaine écossais qui a écrit, et les juges le savent, que Jeanne regardait souvent son anneau avant les batailles. Et donc, et qu'elle la regardait avec beaucoup d'insistance. Et donc, ils se disent qu'il y a un pouvoir maléfique dans l'anneau. Et elle répond, par plaisance et par souvenir de mon père et de ma mère. Et dans l'acte d'accusation, au 20e chef d'accusation, il est dit qu'elle avait un anneau de sorcière par lequel elle se... elle faisait des maléfices qui lui permettaient de gagner les batailles. Donc l'anneau était extrêmement important et c'est la pièce à conviction. Et c'est cet anneau qui vient d'être trouvé là et qui vient d'être vendu aux enchères à Londres et qui vient de revenir en France. Et donc il y a une espèce de conjonction de faits qui font que et j'ai été frappé de voir combien les gens et beaucoup de gens étaient frappés par ce phénomène-là d'un anneau qui est extrêmement simple. C'est un anneau de jeune paysanne, c'est pas un anneau de reine, mais c'est le seul élément qui reste de Jeanne, parce que les Anglais, d'abord elle était sorcière, donc il fallait qu'il n'y ait rien, c'est pour ça qu'elle a été brûlée jusqu'au bout, qu'à la fin, vous savez, on n'a pas pu brûler son cœur. Donc le bourreau est arrivé et a dit au cardinal de Bedford, Henri Beaufort, le cardinal de Winchester, il a dit, ben voilà, éminence, j'ai remis de l'huile, de la sciure, du bois, etc. Et le cœur ne veut pas brûler. Et alors il a dit, ben jette-le à la Seine. Bon. Et le bourreau après est allé pleurer en disant, je suis perdu, je suis tanné, c'était une sainte, j'ai jamais vu ça, j'ai mis je sais pas combien de temps de gens à mort, j'ai jamais vu ça. Bon, alors on l'a amené à la taverne, on l'a saoulé pour le consoler. Bon. Mais il y avait cette volonté qu'il ne reste à rien de Jeanne pour qu'on ne puisse pas faire des pèlerinages à telle relique ou telle relique. Et c'est pour ça que l'anneau était parti en Angleterre. Je suis très content que l'anneau revienne au moment avec mon livre. Voilà. Bravo. Si vous êtes d'accord, je crois qu'il y avait quand même quelques petites questions. Ah oui, j'ai peut-être été un peu long, excusez-moi. Non, pas du tout, mais non, c'était passionnant. Jean, moi j'en ai quelques-unes, mais Jean, oui, vous en aviez... Non, allez-y, vous avez bien potassé. Ah, vous aviez l'air. Hein. J'ai lu le livre. Ouais. Vous en savez plus que moi, alors. Oui, en fait, je voudrais revenir à propos de ces voix qui donnent conseil sur la manière de se conduire, sur l'épisode de Beaurevoir, où, vous le dites d'ailleurs, les voix lui déconseille bien sûr de se jeter du haut de la tour, elle se jette du haut de la tour et c'est le moment où on est le plus proche d'une sorte de miracle puisque la hauteur est très grande, elle est blessée mais elle s'en tire alors qu'elle aurait pu se tuer. Alors là on voit un comportement qui n'est pas conforme à ce que disent les voix
Et en même temps, on a l'impression qu'elle est protégée. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Eh bien, oui, ben, j'explique pas, parce que chez Jeanne, il y a beaucoup de mystères. Hein. Oui, alors, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que, moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, ça correspond tout à fait à la phrase du début, pour m'aider à me gouverner. Elle a toujours gardé le gouvernement d'elle-même. Et plusieurs fois, si vous avez lu, vous avez vu aussi que quand il s'agit de partir de chez elle, les juges lui disent « Mais est-ce que ce n'était pas un grand péché de partir sans prévenir vos parents et contre la volonté de vos parents ?» Et elle dit « Oui, mais il fallait que je parte quand même. » Et vos voix vous conseillaient quoi? Mes voix me conseillaient de leur dire. Et puis je leur ai dit que ce n'était pas possible. Alors elles m'ont laissé libre. Mais elles m'ont dit que quand même c'était mieux de leur dire. Mais je ne leur ai pas dit. Donc en fait, il y a un vrai débat. Quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, alors là, les voix étaient catégoriques. Hein. Jeanne, tu ne sautes pas. Tu ne sautes pas. Elle dit, mais si, il faut que j'aille porter secours à Compiègne, à ceux de Compiègne. Bon. Et elle dit, mais Dieu portera secours aux gens de Compiègne. Eh bien alors, il faut que j'y sois. Bon. Et à la fin, je n'y tenais plus, elle saute. Bon. Et quand elle saute, elle crie, sauvez-moi. Hein. Et donc les voix ont fait une intervention. Là, elle bénéficie d'un miracle. C'est le seul miracle dont elle est bénéficiée, parce que pour le reste, elle n'en a pas bénéficié. Elle a fait la guerre comme tout le monde, elle a été blessée. Et tout. Mais là, indiscutablement, il se passe. Ou alors, elle a une constitution extraordinaire, mais quand même 30 mètres. D'ailleurs, les juges disent que c'était une tentative de suicide. Hein. Bon. Elle a d'ailleurs un très beau mot, elle dit « Je ne sautais pas en espérance de me désespérer. » Et donc, mais en fait, moi, j'explique pas. J'explique pas, sinon que ben, cette fille est... On peut tourner les choses comme on voudra, elle est inspirée et elle est en communication avec le surnaturel. Mon correcteur, à qui je rends hommage dans ma dernière phrase, là, Olivier Serre, qui m'a fait ma préface, et agnostique, mécréant, comme il dit, vieux mécréant comme je suis. Bon. Et alors, mais c'est un admirateur de Jeanne d'Arc, bon, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup aidé, et puis il a une documentation qui m'a énormément aidé. Bon, et il m'a tenu la main sur certaines choses, mais tu ne peux pas écrire ça, c'est pas exactement ça, enfin bon. Et alors, je lui dis, mais alors, qu'est-ce que tu dis? Il me dit, mais moi, je peux pas nier, mais je comprends pas, donc je reste là. Et je lui dis, c'est comme ça. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Et je crois que... Et moi, je pense que c'est la bonne démarche. Ceux qui disent c'est pas le surnaturel n'a pas existé chez Jeanne, mais ça devient incompréhensible. Anatole France, bon, pour que j'ai beaucoup de respect, mais il a écrit deux volumes qui sont stupides sur Jeanne, mais stupides. Il veut démontrer qu'elle était une hallucinée. Bon. Alors, il dit... elle a prié petite devant les statues de Sainte Marguerite et Sainte Catherine dans la chapelle dans l'église de Don Rémy. Donc elle a cru voir Sainte Marguerite et Sainte Catherine, etc. Bon. C'est compliqué comme démonstration. Bon. Et les juges lui posent la question, il n'a pas lu le procès. À quoi avez-vous reconnu que c'était Sainte Catherine et Sainte Marguerite? Et elle répond aussi simplement, à ce qu'elles se sont présentées à moi. Comme des personnes bien élevées. Elles sont, je suis Catherine, je suis Marguerite. Donc c'est Catherine, c'est Marguerite. Alors vous dites, ouais, mais alors, où est-ce qu'on est là? Mais ouais, on ne sait pas où on est. Et très souvent, d'ailleurs, vous l'avez vu, je le dis, le tribunal quitte la terre ferme. Hein. Il dit, bon alors Jeanne, vos voix vous ont dit quoi ce matin? Quand est-ce qu'elles sont venues? Ben, elles sont venues au réveil et tout. Et vous avez dit quoi? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, Sainte Marguerite? Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, Sainte Catherine? Eh bien, elles m'ont dit que je vous réponde hardiment. Ben, on se dit, attendez, moi je lis un PV d'audience criminelle ou je lis la merveilleuse histoire de la bergère de Don Rémy? Non, c'est un PV d'audience criminelle. Et alors évidemment, ils sont paumés, quoi. Ils se disent, et nous aussi on est paumés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de se laisser, comment dire, de se laisser prendre à ce qu'on a vu.